premier ministre il est là-bas. Qui s'en a qui a amené avec lui? Rama Sitanen, s'il vous plaît. Pour discuter de la double taxation avoidance trick. Mais avant tout, nous tout rappelons qui s'en a qui mishandle le dossier de double taxation avoidance trick. Qui s'en a qui a mis le gouvernement indien là-bas et qui a mis au ministre finance à l'époque. Dans ce cinéma là, quand Xavier Luc Duval, ministre des Finances, était là-dedans, Lili, ministre finance, Double Taxation Avoidance Treaty, c'est sous responsabilité. Li pas font partie délégation avec Premier ministre pour aller discuter là. Pas un dimoun, comment me dire, qui fin design un antécédent qui peut élogieux avec gouvernement là pour aller pour discuter là, dit-il. Chakil Mohamed dans le gouvernement, et là, il a raison. Ou dans le gouvernement, ou dans le conseil des ministres. Ma décision prend pas conseil des ministres. Avec consentement premier ministre. Après, il est là où il dit pas bon. Mais quand pas bon, ou lève ça dans le conseil des ministres. Ou pas lève ça dans le public. Et quand Steve Philippe dit pas bon. Mais l'autre côté, je déplore aussi le fait que quand Oro Péro critique le gouvernement, lui aussi, il est dans le même gouvernement. Même principe qui est appliqué pour Jacques Mohamed, même principe appliqué à Européo. Vous pouvez trouver une affaire fondamentale qui n'est pas bonne avec ce gouvernement-là. Vous pouvez trouver qui, quand. Et ce qu'il peut dire, il est bien grave, parce qu'il peut dire une communauté qui est pénalisée complètement quand il se concerne recrutement, quand il se concerne pour donner un job. Mais une affaire aussi fondamentale comme ça, on est assis dans le gouvernement-là, ou critiqué, et on continue à gripper le gouvernement-là. Vous avez un principe dans la vie. Ou pas capable en même temps, ou peut critiquer en même temps, ou puis accrocher poste, accrocher privilège.